Bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir la Guadeloupe, bonsoir au nom aussi TV. Maintenant avec la bénédiction de l'Éternel, nous bénissons cet organisme, nous bénissons ETV, nous bénissons ses serviteurs, hein, ses responsables, nous bénissons celui qui conduit ETV qui est M. Frickson et le technicien Laurent. Nous bénissons surtout pour sa compassion, sa patience avec nous. Sa patience qu'il a su vraiment nous montrer aussi l'exemple. Et cela prouve que c'est comme qu'on est avec le Christ, où Jésus disait qu'il n'a jamais trouvé un homme qui a autant de foi comme Corneille à travers les chrétiens. Amen. Et nous voyons l'exemple. Et c'est pour ça qu'il te dit dans sa parole, venez, vous tous qui êtes chargés, je rendrai d'où vos jours. Mais il te dit, je suis venu pour les injustes, pas pour les justes. Nous bénissons aussi ceux qui sont là. Nous bénissons le frère Rodrigue Cupidin. Nous bénissons le frère Glody. Amen. Nous bénissons le pasteur Alain Villan, vraiment de sa patience aussi de nous accompagner. Mm-hmm. Et qu'il puisse vraiment nous aider à avancer, car nous avançons ensemble. C'est le temps de réveil de la postérité, c'est vraiment le réveil de la postérité et le temps de réveil qui est de la Martinique. Amen. Et aujourd'hui, voici l'Éternel nous envoie sur un message assez puissant. Dans le livre de Nombre 14, afin de comprendre la voix de l'Éternel. Amen. Car beaucoup parmi nous sont libérés et nous voulons retourner en Égypte. Et nous vivons cela tous les jours. Retourner en Égypte, c'est retourner dans le monde, nous l'avons déjà pris. C'est de retourner à ce que nous faisons auparavant. De retourner aussi dans une vie qui n'est point de Dieu. Et de retourner dans une vie où on est esclave de ce monde. Car à travers cela, on voit vraiment l'angoisse. On voit la tourmente. On voit aussi notre confusion qui se trouve dans ce monde et notre confusion envers l'Éternel. Et en ce soir, voici. Nous allons entrer sur un thème quand même qui présente vraiment la délivrance d'un peuple, la délivrance du peuple d'Israël par ses murmures, mais aussi comment Dieu aussi frappe et punit ceux qui sont en train de murmurer. Amen. Et je vais demander vraiment au frère de lire la parole de frère Claudie à partir du premier verset au verset 4. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert ? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommant un chef et retournant en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephunné déchirèrent leurs vêtements. Et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Amen. Voyons très bien dans ce verset, en Nombre 14, mes frères et sœurs, et à ceux. Même s'ils ne sont pas attachés, comme on dit au Vrécep, mais nous sommes tous sur cette terre les enfants de l'Éternel. Amen. Il dit, l'assemblée leva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. Voici aussi le peuple qui pleura et tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse. Alors nous voyons très bien que quand on nous donne l'autorité, quand Dieu nous donne l'autorité de conduire, ces brebis, de conduire les enfants au salut de l'Éternel, ce qu'on appelle le salut individuel, mais au salut, ce qu'on appelle vers le royaume de Dieu, nous avons beaucoup parmi nous qui murmurent contre l'autorité. Et
murmurer contre l'autorité, c'est murmurer contre Dieu. Mais nous avons aussi parmi ces différents frères et sœurs, représentants de Dieu, qui ont la compassion. Il y en a qui ne peuvent pas tenir, ils se découragent. Mais Dieu a dit dans sa parole, je crée l'adversité et je fais appel à cela, à encourager les autorités des différentes églises à rester debout contre l'adversité et en face de l'adversité. Car Dieu a créé l'adversité. On ne peut pas toucher le royaume des cieux si on ne passe pas par ce moment d'épreuve. Et loin, très bien que Moïse et Aaron, regardez, ils étaient à deux. Et toute l'assemblée leur dit, nous sommes, il te dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? À ce moment d'épreuve, on se retrouve, nous, dans des moments et on se dit, mieux vaut qu'on reste là et où on est bien et c'est mieux pour nous. Parce qu'on se dit, mais c'est pas possible. On m'a fait sortir un exemple. Vous habitez à Pointe-à-Pitre. Je sors de Basse-Terre, mais j'arrive à peu près à Cap-Esther, j'ai des problèmes. Et j'ai dit, mais je retourne à Basse-Terre. Or, Basse-Terre, où se retrouve le malheur pour moi, où je suis esclave de cette commune, où je suis esclave de cette terre. Et Basse-Terre se retrouve pour moi, car on me donnait à manger, mais j'avais pris l'autonomie et j'avais pris de liberté. C'était la façade que représentait Satan à Christ. Et en disant que je suis bien et je ne veux plus continuer. Et mon frère qui me dit, non, on y va parce que voilà, je suis venu te délivrer et te libérer. Mais toi qui ne comprends pas la science, tu te dis, mieux vaut pour moi que je meure dans cette île. Mieux vaut pour moi que je meure dans ce désert. Et là, il dit, pourquoi l'Éternel nous fait-il dans ce pays, fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Or, l'Éternel te donne un pays où le lait et le miel est en train de couler. Mais c'est moins. Pourquoi on va décourager? Aujourd'hui, tu as mis chemin et il te dit, suis l'autorité. Suis le conseil qu'il te donne. Reste devant la face et reste dans la persévérance. Amen. Et nous voyons très bien que là aussi, il développe dans ces trois versets, dans le premier, deuxième et troisième, pourquoi, le pourquoi est posé, l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays? Tu ne sais même pas aujourd'hui que Dieu est en train de te conduire dans le pays de la libération, de la délivrance, afin que tu aies la paix. Amen. Amen. Tu ne sais même pas aujourd'hui que Dieu est en train de te délivrer. Et tu es à Basse-Terre, et tu arrives à Cap-Esther, tu veux retourner à Basse-Terre, où tu avais de la misère, où tu ne mangeais pas, tu étais esclave, où tu dormais dehors, où tu ne dormais pas, où tu avais pas mal de problèmes. Et là, je dis, femme, homme, frère, soeur, peuple, nation, aujourd'hui, dans le désert où vous êtes, la libération, c'est l'épreuve. On ne peut pas avoir la libération s'il n'y a pas d'épreuve. Alors, il dit dans le verset 3, l'Éternel nous fait-il aller dans un pays où nous tomberons par l'épée, car tu te poses trop de questions. Pourquoi doutes-tu de la puissance de Dieu et de la foi de l'Éternel? Car tu es en train de donner une victoire à l'autre. Ouais, non, mais dans ce premier, troisième, quatrième verset. Mais famille, on regarde ça, on dit qu'à dire. Et regarde bien où Dieu développe pour toi en te disant. Et c'est là où tu te poses des questions. Il envoie ses bergers, il envoie ses messagers. Et qui encore aujourd'hui tombe en sacrificateur? Regardez dans le verset 5. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage. Et toi, tu te dis, dans le verset 3, nous deviendrons une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Alors je dis à ceux qui veulent nommer leur chef là, dans les églises, là, ou à ceux que Dieu conduit à une proie, vous arrêtez cela parce que vous allez avoir des problèmes.
car les bergers de l'Éternel sont en train de se sacrifier pour vous. Regardez dans les versets 7, c'est un message. Amen. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël et parmi ceux qui avaient exploré le pays. Mais il a envoyé d'abord en te disant, voici ce que je te donne, le lait et le miel. Et toi, tu refuses. Tu refuses parce que tu as une certaine doute en toi. Alors donc ce verset-là présente quoi? Il développe là, il te dit, voici, je te donne la réussite, mais ce n'est pas à Bastère que tu vas réussir. Voici, je te donne la réussite, ce n'est pas à Martinique que tu vas réussir. Ce n'est pas à la Martinique. Voici, je te donne la réussite, ce n'est pas à Paris que tu vas réussir, mais voici, je te donne un pays, le lait, le miel qui est la voie. Alléluia. Amen. C'est ça mon Dieu de flibar. Et là, on est en train de poser plein de questions. Donc, on ne peut pas se poser des questions. Donc, il faut définir sur chaque verset à expliquer véritablement quel est le message que Dieu nous donne. Alors, Moïse et Aaron tombèrent. Là, regardez bien, tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée. Comment aussi les serviteurs, les sacrificateurs de Dieu prient pour vous, offrent leur vie, offrent leur âme, offrent leur corps, offrent leur esprit pour vous, et vous ne respectez pas l'autorité. Vous refusez de respecter l'autorité. Vous travaillez chez un patron, il s'entraîne de suer, mais vraiment de partir, aller chercher du boulot, de trouver, essayer de trouver une solution. À ce moment-là, il amène du boulot afin que vous mangez. Vous le méprisez, vous mangez ce qui est entre ses mains. Vous le méprisez, vous le rejetez. C'est pareil. Aujourd'hui, l'Éternel vous donne un repas. Le repas que Dieu veut vous donner, c'est le repas succulent. Où se coule le lait et le miel. Mais c'est ce pays qui veut vous donner afin que vous mangez. Donc, vous êtes sorti peut-être d'une assemblée. Et de cette assemblée, peut-être que ce n'était pas là aussi votre bénédiction. Mais ce pays qu'il vous donne, c'est afin que vous ayez une réussite dans votre vie et que votre bénédiction soit dans ce pays-là. Amen. Et nous prenons l'exemple d'un témoignage fort d'un homme qui sort de loin, mais qui sort de l'Égypte, mais qui sort au fond de l'abîme, mais qui sort aussi dans la tourmente. Et nous l'avons devant nous et qui est présent et il va se présenter, qui aujourd'hui qui a autant de réveils de la postérité. Alors qu'il aurait pensé pratiquement 2 ans après, il serait parmi nous, il serait avec nous. Pourtant, c'est un homme qui cherche, mais Dieu lui a dit, je te donne un pays où se coule le lait et le miel. Amen. Et il est venu de témoigner de la puissance de Dieu à travers la parole de l'Éternel, à travers aux différents messages de Dieu, mais à travers le temps du réveil de la postérité. Qui sort depuis la Martinique à la Guadeloupe, je le dis, ça il fait pas content, mais son réalité. Donc, aujourd'hui, regardez bien. Et c'est là qu'il nous a dit seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Parce qu'il t'a donné le lait et le miel. Il t'a donné ce pays pour toi. Et tu refuses d'y aller. Mais c'est maintenant, ma soeur, c'est maintenant, mon frère. On vient te chercher pour te libérer. On vient te chercher pour te sortir, pour sortir de ce pays où se trouve tu es captif. On vient te chercher pour te conduire à la libération, à la paix, à l'amour de Dieu. Amen. Et tu refuses. Mm-hmm. Alors je présente le frère Rodrigue, qui est un serviteur de Dieu, mais qui aime la profondeur de la parole. Amen. Afin qu'il témoigne à travers le temps qu'il a passé et qu'il est en train de passer dans cette assemblée, je dirais l'assemblée qui est là depuis d'éternité en éternité, je dirais à travers la visibilité des hommes et dans leur tradition de leur pensée, écoutez, tradition de leur pensée, ce qu'on appelle l'idolâtrie. Amen. En disant, peut-être c'est des assemblées sont très jeunes, non, c'est Dieu vous a choisi depuis au sein de la fondation et depuis le sein de votre mère. Amen. Tout ce qui se fait là maintenant, et c'est déjà fait depuis dans les cieux. Alors mon frère, témoigne un peu. Ben, c'est-à-dire que, pasteur, merci, merci, et je remercie TV de m'avoir invité pour ce témoignage. C'est vrai, en fin de compte, je reviens de très loin, très loin. Hein. J'étais dans le monde de la chair, c'était la vie. Et comme tu viens de dire, il m'a proposé la ville de Bastère où coule le lait et le miel. Alors, d'un côté, je dirais que Dieu, il opère, mais nous, avec les yeux que nous avons, nous ne pouvons voir avant que nous ayons cette foi en nous.
Donc ça a été très difficile, hein, parce que pour moi, de pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passait. Donc Dieu, la façon dont il opère, il vous choisit, il vous appelle et il envoie quelqu'un vers vous afin de vous toucher. C'est sa façon de faire. Il ne va pas venir vous parler audiblement, mais il va envoyer quelqu'un vers vous. Alléluia. Il va vous emmener. Et moi, ça a été ma compagne qui est devenue ma femme. Donc, et c'est elle qui m'a emmené. Et au début, ça a été très difficile. Je me rappelle, hein, j'étais encore assis à l'entrée, hein, derrière, au fond, pour si toutefois ça n'allait pas, que je puisse partir en courant. Mais non, j'ai encore... encore aujourd'hui, il m'a dit, reste là, mon fils. Donc, non, c'est vrai. Après, j'ai été sanctifié. Il m'a sanctifié. Il m'a mis à part. Donc, le fait d'être mis à part, donc, il vous façonne à sa façon. Donc, c'est comme le potier. C'est comme le potier qui travaille son vase, hein, le potier qui travaille l'argile. Et tout le temps que vous n'êtes pas encore bon, il refait le vase. Alléluia. Mais il y a pas mal de choses, pasteur, vous avez vu que j'ai laissé tomber, c'était le monde de la chair, la fête, c'était les injures, c'était les paroles. Donc là, il y a eu la nouvelle naissance, hein. Je suis né, j'ai été né de nouveau. Donc il y a eu le renouvellement de l'intelligence, et c'est de là le Saint-Esprit vous travaille. Parce que tous nous avons une part du Saint-Esprit en nous comme une part de foi, mais plus votre foi il augmente, plus vous voyez certaines choses et plus que le Saint-Esprit réagit en vous. Mm-hmm. Alors, à ce moment-là, j'ai commencé à changer, à être tout seul, à ne voir plus personne. Et là, j'ai commencé à voir le changement. Et le changement. Et il n'y a pas longtemps, il m'a montré vraiment qu'il était là, parce que je reviens d'un AVC, et il m'a montré qu'il était avec moi. Et je ne savais pas, c'est la première phrase, donc j'ai eu l'AVC sur le côté droit et j'ai commencé à prier, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis rentré à l'hôpital à 4h de l'après-midi, et voilà, je suis sorti de là au cinquième étage à 5h du matin, donc j'ai traversé la vallée de la mort, hein. J'ai les épreuves, la souffrance, la prière, le sommeil, et arrivé un moment, il a fait défiler en quelques minutes toute ma vie, de la France jusqu'à maintenant au Lot. J'ai tout vu. Et je n'arrivais même pas à lire, je n'arrivais pas à bouger, je n'arrivais pas à me mettre debout, je n'arrivais à rien faire. Et un jour, le pasteur est venu, présence pastorale, c'est Dieu qui décide d'envoyer son autorité, voir le petit qui est couché. Et le pasteur qui prie, qui me dit, lève-toi et marche. Ce jour-là, c'était le grand jour. Ah ouais. Amen, amen, c'était le grand jour. Je ne m'y attendais pas. Même les infirmiers qui étaient là me disaient, Monsieur Cupidin, ne marchez pas, Monsieur Cupidin, ne marchez pas. Mais j'avais déjà marché. Et depuis, après, j'ai eu des manifestations dans ma chambre de lumière, en pleine nuit. C'est des choses que je garde pour moi, parce que je témoigne maintenant aux frères qui nous regardent pour montrer vraiment que lorsqu'on croit, on voit les choses. Amen. Les choses se manifestent, Dieu se manifeste. Et il ne faut pas être rebelle, parce qu'à l'époque, j'étais rebelle. J'étais orgueilleux, je renfermais mon cœur, je pouvais pas, j'étais hautain. Et tout ça, c'est marqué dans la Bible. Lorsqu'on lit la Bible et on voit que c'est marqué, il ne faudrait pas faire le contraire pour pouvoir voir ce que Dieu a pour vous. Et là, je suis sur la route pour aller à Bastère. Où coule le lait et le miel. Je pense que quand Dieu l'opère, il opère, c'est comme tout processus qui prend du temps. Il vous donne des arts, il ne vous donne pas tout d'un coup, il donne petit pour voir comment vous réagissez. Si vous êtes reconnaissant, si vous lui dites merci, si vous marchez dans la sanctification, pour avoir une vie de sainteté, il vous regarde, il est là, il vous regarde, il vous laisse faire. Et si vous ne faites pas, vous n'aurez pas. Et c'est pour ça qu'il dit, arrive un moment que mon peuple périt par manque de connaissances. Ah oui. Comment voulez-vous, si la CAF vous donne des aides et vous ne savez pas, comment voulez-vous vivre correctement alors que la CAF donne de l'argent pour pouvoir vous aider à vivre? Je prends cet exemple. Donc c'est un manque de connaissances. Alors que la Bible, il dit les choses qu'il faudrait dire. Donc voilà, pasteur, j'ai remercié Dieu pour tout ce qu'il a fait, que je suis là maintenant. Je me sens très bien, je ne suis pas anxieux, je n'ai peur de rien. Et j'ai la foi qui s'agrandit de plus en plus. Hein. C'est vraiment la transformation, en fait. Transformation. Amen, amen. Voyez ce que Dieu, l'Esprit de l'Éternel, fait. Comme il dit, on ne peut pas témoigner de son propre chef. Moi, je ne témoigne pas de ce que Dieu a déjà fait avec moi. Il y a beaucoup de témoignages, il y en a qui veulent reconnaître, il y en a qui ne veulent pas reconnaître. Donc, Dieu, dans le temps de réveil de la postérité, écoutez, hein, il était couché sous son lit et il s'y attendait à quoi? Il ne savait pas. Ah ben, le temps de réveil de la postérité est venu et c'était fini. Amen. Alléluia. Amen.
Ok. Donc, nous arrivons au terme. Et dans un premier. Mais c'était extraordinaire. Oui. Mon frère, vraiment, merci à l'Éternel. Oui, je remercie. Et la prochaine fois, je pense que ça ira encore mieux. Encore mieux. Et on verra, on va voir à travers la parole, à travers ce que Dieu fait, à travers l'œuvre de l'Éternel, vraiment, ton élévation vers Dieu. Amen, amen. Merci à toi. Amen. Que Dieu nous garde et que Dieu puisse nous bénir. Et nous disons bonsoir à toute la Guadeloupe, à toute la Martinique. Afin que nous continuions par l'œuvre de Dieu à tous les témoignages qu'il est en train de faire pour nous. Merci à vous et que Dieu puisse vraiment vous accompagner et Dieu puisse vous élever et vous ouvrir les yeux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous dis vraiment merci. Amen. Amen. Amen.